eu la chance. Ah, attends, là, un instant, là, c'est fait. J'ai eu la chance de visiter cette année, depuis 2 ans, de vraiment des beaux spots, des beaux coins. De fond en comble, le Texas, je l'avais déjà fait, mais je l'ai beaucoup plus, comme dirait un médecin, ausculté. La Louisiane, j'ai eu la chance d'y aller à quelques reprises. Et là, ben, comme je vous dis, on s'en va à un autre niveau, voir tout ce qui a trait à Tabasco. Et c'est clair, clair, clair que je vais en ramener à la maison pour épicer mes soirées. C'est beau. Faites attention. OK. Pas de congé, pas de violence. The Hot Pepper Express. Je suis à Avery Island, en Louisiane présentement. Je m'en vais visiter toutes les installations de Tabasco. C'est la McKinley Company. Vraiment intéressant. J'ai fait quelques petits achats. Ceux qui suivent mes périples habituels savent que j'adore les steakers. Alors, pour mon Wall of Fame, ainsi que celui-là. Ceux qui me suivent aussi le savent très bien. La tasse. Ceux qui me suivent le savent très bien. Non, je fais des blagues. Et j'y ai goûté, elle est piquante en tabaslac. Elle est piquante. Donc la sriracha. Thank you.
Il y a une forêt de bambous, mes amis. C'est impressionnant. J'ai visité beaucoup de choses dans la vie. Ici, c'est rien, là. Vous allez me dire, c'est juste du bambou. Ça se peut. Mais c'est impressionnant parce qu'on n'a pas ça à la maison. On n'a pas ça au Canada. On n'a pas ça au Québec. C'est hot, sérieux. Hey, en pleine nuit, ici, le bruit. L'odeur, je suis fatiguant. Je suis très, très, très olfaltique. C'est hot. C'est là que ça se passe. Il y a le musée, la boutique, un peu plus loin, il y a le restaurant, on va aller voir ça tantôt. Et il y a l'usine de fabrication également. Tous les mélanges se passent ici.
J'ai jamais été un amateur de sauces piquantes, mais une fois de temps en temps, c'est le fun. Mais je veux dire, depuis que j'ai été opéré il y a quelques années, le piquant, c'est un peu plus difficile, mais l'odeur est incroyable, je le répète encore. Mais juste de voir d'où vient Tabasco, parce que des fois, on pense que c'est peut-être fait à Ville-Saint-Laurent. Pas du tout. C'est vraiment des mélanges qui sont faits ici. Et si vous arrêtez en Louisiane, que vous passez de la Floride vers le Texas, passez par l'Interstate 10, la route 90, c'est très facile d'accès, ça ne coûte pas très cher. En fait, je ne sais même pas combien ça coûte parce que je n'ai pas payé. J'ai comme été invité à venir visiter le plan. Mais c'est un must. C'est un must. Juste pour l'histoire également, c'est très francophone aussi. Il y a beaucoup de trucs en français également si on connaît toute l'histoire de Louisiane naturellement. Je ne ferai pas un cours d'histoire parce que je vais sûrement me tromper. Mais quand même, on sait les grandes lignes. Mais venez faire un tour. Dans tout ce vlog-là, on s'est promené du Texas à la Louisiane. Ça valait vraiment le détour d'arrêter ici, de se gâter un peu, gâter ses proches. Mais on va continuer à se promener un petit peu. On va aller voir le restaurant de Coquette d'Or, tiens. On s'en va là tout de suite. À l'instant même, on est en route vers le 1868, le restaurant. That's it, thank you. Un Bloody Mary, pas d'alcool. J'ai hâte de voir ça. J'ai essayé ça. J'ai hâte de voir, là. Pas trop sûr. Ok, ben, c'est bon, sérieux. C'est vraiment, vraiment bon. Très, très bon. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est peut-être mieux que je ne sache pas tous les ingrédients, mais. Au point, moi, j'en suis rendu. Noël approche. Au moment de tourner cette vidéo-là, je ne sais même pas quelle date qu'on est. On est le 24 novembre 2021. Donc, Noël, c'est dans un mois exactement, du moins la veille de Noël. Un grand coup, donc je vais aller pas mal partout aux États-Unis dans le prochain mois. J'espère voir des endroits aussi intéressants, mais dans mon top 5 des endroits intéressants que j'ai pu visiter, si je mets Dallas, South Fork, le ranch de la famille Wing au premier rang, aujourd'hui, en ce moment, à l'heure où je vous parle, ici même, à Every Island, donc à l'usine de Tabasco, c'est ma deuxième visite la plus merveilleuse que j'ai faite dans ma vie aux États-Unis. Définitivement. J'ai profité du fait que je peux avoir des olives gratuites. Encore une fois, merci de vous être prêté au jeu dans cet épisode de mon vlog sur On the Road. J'ai adoré ma visite. J'espère que vous en avez profité virtuellement avec ces images-là. Faites-le un jour. Venez faire un tour ici. Et pas juste ici, chez Tabasco, mais la Louisiane. J'ai déjà fait d'autres vlogs en Louisiane. Quand il y avait eu l'ouragan Ida autrefois. Après ça, je suis venu une couple de fois avant ça dans les 10 dernières années. Mais dans cette visite-là, aujourd'hui, 24 novembre 2021, je peux dire que je suis choyé d'avoir au moins, pour une fois, vu cet endroit-là. Puis non, Tabasco, c'est pas fait à Ville-Saint-Laurent. C'est ici. Tout est ici et c'est distribué partout par la suite.